L'Évangile de Jésus-Christ selon ce Jean. Les premiers jours de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau du grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Au se penchant, il s'aperçoit que les lèvres sont posées à plat. Cependant, il n'entrait pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Ils entrent dans le tombeau. Il aperçoit les lèvres posées à la plat, ainsi que les souliers qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les lèvres, mais roulés à part à sa place. C'est alors contra l'autre disciple qui, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Mes amis, je salue tous ceux d'entre vous qui vous joignez à moi virtuellement pour cette réflexion de Pâques. Vous nous avez manqué l'an dernier à Pâques. Malheureusement, en raison de la pandémie, nous n'avons pas pu célébrer ensemble. Après avoir diffusé en direct la messe du matin de Pâques, j'ai téléphoné à une famille que je connais depuis de nombreuses années. Et quand je leur ai demandé comment ils aimaient la messe en ligne, les enfants ont dit qu'il leur manquait le goût de la fleur et l'odeur de l'encens à l'église. Et puis, ils ont ajouté, « Même si l'église était vide, nous avons vu le Jésus ressuscité. » Ils faisaient référence à une statue du Seigneur ressuscité que nous plaçons chaque année près de l'autel. J'ai trouvé leur commentaire très significatif parce qu'en milieu de nos épreuves et de notre vide, Jésus est toujours ressuscité d'entre les morts et présent avec nous. Nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui que lorsque les amis de Jésus sont arrivés au tombeau, ils ont trouvé la pierre enlevée. Le tombeau était vide. Il est intéressant de constater que le premier jour du matin de Pâques commence par un tombeau vide. Vous voyez, le vide du tombeau est le signe que lui, Jésus, était bel et bien ressuscité d'entre les morts avec son corps, le même qu'il avait sur terre. Le tombeau vide devient un signe de la nouvelle vie. Je vais partager une expérience qui peut nous aider à y réfléchir. Quand j'ai vécu en Italie, lors de mes études pour la prêtrise, j'ai pu aider à faire du vin à partir des raisins recueillis sous la ferme de notre séminaire. Nous avons compris les raisins, puis mis le jus dans des contenants de vin.
c'était mon travail. Je l'ai commencé, mais j'étais vite arrêté par un Italien sage qui m'y a dit, « Joseph, pas si vite. » J'ai appris que nous devions d'abord vider et nettoyer les vieux contenants de vin. Ce n'est qu'après que nous pouvions le remplir de vin nouveau. Quand on y pense, n'est-ce pas pour ça qu'on a le carême cette saison qui vient de terminer? Pendant ce temps sacré, nous nous vidons du péché et de notre égoïsme. Pourquoi? Bien, pour que Dieu puisse nous remplir de ses dons et de sa nouvelle vie à Pâques. Je soulève ces questions parce qu'on entend beaucoup parler ce jour-ci de vide. Cette pandémie actuelle, nous l'associons avec des tables vides parce que la famille et les amis ne pouvaient pas se réunir, les écoles sont vides, ainsi que les usines, les restaurants, les routes, les terrains de soccer, les stades et les églises. De même, des comptes bancaires sont vides, des portefeuilles vides, des chaises vides à la maison pour ceux avec qui passer le temps est précieux et par conséquent des vies vides. Certains sont tentés de venir à penser que tout ce qui a rempli nos jours jusque-ci pourrait disparaître pour toujours. Mais le tombeau vide de Pâques pourrait-il être une image, une façon de comprendre notre monde et nos vies et de nous donner de l'espoir? Pendant la pandémie, lorsque nous étions séparés de nos familles et de nos amis, nous étions tristes, nous nous sentions vides. La même chose se produit dans notre relation avec Dieu. La tristesse, l'angoisse naissent de nous tenir loin de Dieu. La joie naît de notre amitié avec Dieu. Le vide pourrait-il être alors une douce invitation du Seigneur ressuscité à le rechercher, à nous vider de tout ce qui est vieux et qui nous sépare de lui, afin qu'il puisse nous remplir de sa grâce et de sa joie et de sa paix? L'Évangile d'aujourd'hui dit que les disciples sont allés au tombeau vide et quand ils ont constaté qu'il était vide, ils ont cru. La foi est un don de Dieu qui nous permet de voir plus que ce que nos seuls yeux peuvent voir. Nous pouvons voir davantage par les moyens de l'amour, tout comme les parents voient leurs enfants avec plus que juste leurs yeux, ils voient avec leur cœur. Comme Marie-Madeleine et les disciples, nous sommes appelés à chercher le Seigneur ressuscité. Et nous, ça, pour nous faire penser à la résurrection de Jésus quand une nouvelle vie jaillit dans la nature, dans les relations et dans certains moments de notre vie personnelle. Nous reconnaissons que Jésus est ressuscité lorsque nous nous réjouissons des petites et des grandes choses de nos vies, même au milieu des épreuves. Le disciple était craintif et pourtant joyeux, nous dit l'Évangile. Et c'est tellement vrai pour nous. Si Pâques concerne la fait d'être surpris par un tombeau vide, il s'agit aussi d'être rempli de la paix et de la joie du Christ. Mes amis, Pâques est une
invitation de nous approcher de Jésus, à regarder dans le tombeau vide et à reconnaître Jésus par les moyens du don de la foi au-delà de notre vue, à renouveler notre amour pour lui et d'y savoir que nous faisons partie de la famille du Christ. Nous surmontons notre vide, notre douleur, notre peur, lorsque nous rencontrons Jésus qui, en retour, nous offre son amour, qui nous rassure qu'il y a à la vie au-delà de la croix, qu'il y a au sens à la souffrance, qu'il sera toujours avec nous. Aujourd'hui, comme Marie-Madeleine et les disciples, nous sommes venus à tombeau vide. Nous rencontrons le Seigneur ressuscité avec les yeux de la foi et en retour, nous remplit de sa paix et de sa joie et nous confie la mission d'être ses disciples. Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons-en heureux. Alléluia, alléluia.